Bonjour et bienvenue sur la chronique des messages de votre autre. On va aller voir aujourd'hui quelle énergie se présente à nous. C'est une énergie collective, donc à vous de voir si il s'agit de votre autre ou pas. Prenez ce qui résonne en vous comme d'habitude. Donc j'ai 5 cartes qui sont tombées du mélange aujourd'hui. On va les découvrir ensemble. Tu es le soleil de ma vie. Je te manipule, c'est plus fort que moi. Tu es la douceur de ma vie. J'ai l'espoir de te retrouver rapidement. Le soleil est dans ma vie et cela grâce à toi. Donc ici, cet autre, plus particulièrement, a sûrement des sentiments cachés pour vous, qu'il ne vous avoue pas. Ici, il vous reconnaît comme étant le soleil de sa vie, que vous illuminez sa vie, que vous apportez de la douceur, ce qu'il n'a peut-être pas dans son schéma de vie. Il espère, voilà, vous retrouver au plus vite pour renouer avec ce lien qui est pour moi coupé. Il avoue que il a un tempérament plus fort que lui. C'est quelqu'un qui est comme automatiquement sur le bouton je te manipule, parce que ça a toujours été sa manière d'être, ça a toujours été sa manière de faire pour réussir. Il n'en connaît pas d'autre. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui ne contrôle absolument pas ce fonctionnement, qui forcément devient un dysfonctionnement pour lui et qui l'handicape aussi dans sa vie. Il n'a pas cet autre-là, je le ressens pas entouré, je le ressens seul, face à lui-même quand il est chez lui. Les relations qu'il a, en fait, ce sont des relations superficielles. Et vous êtes la seule personne qui lui dites la vérité, même si elle est brute de pomme. Quelque part, c'est ce qu'il aime et n'aime pas en vous. C'est un paradoxe en lui, parce que vous êtes la seule personne qui lui dites la vérité. Et il reconnaît au fond de lui, là, c'est vraiment une conscience hein, qui parle ici, qu'il n'avoue pas, hein, quand il vous a en face ou quand il est en discussion avec vous, c'est que vraiment, il est en admiration par rapport à tout l'amour que vous avez en vous, ce qu'il ne connaît pas, évidemment. Donc ici, c'est un espoir qu'il nourrit malgré sa lenteur, malgré sa passivité, malgré toutes ces choses à laquelle il n'a pas envie de renoncer parce que c'est du matériel, parce qu'il a construit peut-être un autre chemin. Mais il garde ses pensées particulièrement spéciales pour vous. Et il espère qu'un jour, même si vous n'êtes plus en contact, que vous calmerez et que vous pourrez discuter tranquillement de ce qui s'est passé. Mais il a quelque chose qu'il reconnaît, c'est qu'il ne peut pas en fait être à la hauteur à cause de son côté manipulateur. Il n'est pas du tout dans une recherche de guérir en fait. Au contraire, c'est quelqu'un qui vraiment ne peut plus se contrôler. Il ne se maîtrise plus lui-même par rapport à ce qu'il fait. Donc voilà, à vous de prendre les décisions nécessaires. Ben, moi, je vous ai toujours dit de continuer à vivre et de faire votre vie indépendamment de cet autre. Voilà, et eh bien écoutez, c'était le message du jour hein, de cet autre. J'espère que vous avez eu les messages. Et je vous remercie de vos likes et de vos commentaires comme d'habitude. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Je vous embrasse et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Bye bye.